super concentré, je m'en rappelle plus. C'est surtout ça la question. Alors attends, le mieux c'est que je te partage mon écran. Comment je fais ça? Je suis où là? Yeah, but the builds are kind of different. That's also a thing. Hello. I've deafened. The time that the briefing is arrived. And there is always quirks and things with the plane. So yeah, maybe, but we had neither the time to learn it. Well, they haven't the time to learn it, or even to know that there will be a bug with laser codes. And that's also an issue we didn't expect. And we are well for the next mission. We know now that we need to change manually the codes. But yeah. Not taking any risk for the help. At least get something going, and not like the whole strike. Not starting the help because they don't know the F-15E. That's why. But because we have like what, maybe five, six members that have the F-15E that are eager to play it. But sadly, tonight is not night. But I kind of timed the right for us to play it on Saturday. Well, it was nicely timed, let's say. Also, hello, Tigogo. Ou bonjour, je sais pas si t'es français ou anglais. Yeah, for sure. Ah. Once the server is. Once we're done with the op, I guess I'll get the submission going. Enfin, not submission, the training. Ah ouais, t'es français. Mais ça me dit quelque chose ton nom là, Tigogo. T'es pas sur Live Nanitrox peut-être? Ou je m'imagine quelque chose? Briefing. Oui, Ouais. caritatif. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était nickel. T'as réussi à dormir un peu après? Oh, j'ai dormi 15 heures d'affilée. Oh, Non, mais ton nom me dit. Ouais, peut-être. Non, ou alors peut-être. Mais ton nom me dit quelque chose. Mais ouais, là, comme ça, j'ai assumé ça, mais. Mais ton nom me dit quelque chose, je t'ai déjà vu quelque part en tout cas. Ah ouais, je sentais mon cerveau qui s'envolait, quoi. C'est. Il avait la simulation 2G en réaliste, Ah ouais, IRL. vraiment. Mais t'as bien géré. C'est gentil. Du coup, je peux reprendre le serveur, Tommy, ou... Vas-y, vas-y, bien sûr, ouais. Ok, histoire que je lance la mission. Ça se tient, ça se tient. On va lancer le serveur, yes. Et là, il est sur la bonne version, c'est bon. YOLO. Oui. T'es trop vieux pour dire ça, Tommy. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, il y a même une mise à jour sur Firefox. Ah bah oui, c'est ça. Ouais, je lurk. Oui, c'est ça exactement. C'est sur Stan que j'ai vu ton nom. Je lurk très souvent chez Stan, donc oui. Mais oui, pendant. Donc oui, c'est largement. C'est pour ça. Vite fait. Je peux pas décoller quoi. Ça y est, il est là. Ouais. Ah oui. Ah. Je vais voilà. Je l'achète, lol. Et maintenant, il est plus cher. Ouais, c'est pas grave. Moi, je suis riche. Hein. Bon. C'est le viewer qui paye, c'est pas moi. Je vais passer en frais d'entreprise. Exactement. Tu
c'est pour le boulot, c'est pour le boulot. Je vais demander à mon patron aussi si on peut le faire passer sur l'entreprise. Ça va, chef, c'est quoi 80 balles? Oh. Vas-y, abuse, fais croquer. Radin, bah. Prime d'activité. C'est pour le bien-être de tes salariés. Oh, la prime d'activité. C'est ça. Pour la prime d'activité, vous aurez tous un F15E. Bonne prime. Et t'es le seul à être content, quoi. Ouais. Ah, checking server status. Juste par curiosité du coup, Thibaut, parce que je vois que tu m'as follow quand j'étais offline. Tu m'as trouvé comment? Alors, le serveur est en marche par sur la mission. Après, si tu veux pas le dire, c'est pas grave. Je m'en fous. L'inverse plutôt, non? Le serveur est en marche. Hein? La mission est en marche sur le serveur. Oui. Oui, oui. Alors du coup, vous pouvez vous connecter et je vais se prendre un avion pour pas que vous voyez toutes les unités au sol. Donc ça veut dire que t'as eu en recommandation mes VOD. Hein. Donc, ok, bon. Ok. Merde, attends, je vais me démute. Ok. Du coup, pour la mission, donc tout le monde décolle de QTZ. Puisque c'est notre aéroport, donc les hélicos. Notre aéroport à nous, rien qu'à nous, à personne d'autre. Ouais. Et donc l'objectif, donc actuellement on a les Russes qui sont donc dans la zone de combat du sud et qui sont en train de push au sud. Donc on a. Je pensais pas que mes putains de VOD étaient augmentés commandés à des gens, mais bon, tant mieux, j'ai envie de te dire. Donc attention quand où est-ce que vous tirez. Tous les ennemis pointent au sud. Il y a pas mal d'appareils, enfin de véhicules. Il y en a au moins une trentaine. On sait qu'il y a de la défense anti-air, de nombreux blindés lourds, ainsi que quelques scuds. Donc il faudrait en détruire un maximum pour que nos copains en tank après puissent avancer et qu'on puisse commencer à récupérer un peu de terrain. Si jamais vous réussissez à tout péter avant l'heure, on a un peu plus au nord ici une zone de stockage ennemi dans la ville. Pareil, en fait tout est à péter. Pareil, il y a au moins une vingtaine de nautiques. De véhicules, de blindés, de scuds, de trucs de réarmement. Et voilà, ouais, ça va 20 nautiques de la zone sud. Pour les hélicos, pour les Apaches, vous avez une FARP, la FARP London, qui est au sud, qui est actuellement à 12 nautiques, entre 12 et 15 nautiques de la zone de combat. Plein nord. Pour la SIAD, on sait que il y a du SA-15, du SA-19 sur Sukhumi, on sait qu'il y a un SA-10 sur Gudota. Et on sait qu'aussi il y a au moins du SA-15 sur zone ici. Mmh. Après, plus au nord, bon, il y a du SA-6, enfin il y a tout un tas de bordel, c'est beau, c'est magnifique. Et donc ensuite, donc pour Fury et pour les T-Rex, ben, principalement la zone de combat sud. Et le stockage, si vraiment vous en sortez bien. Pour Ghost en la SIAD, et ben essayez de préparer un peu le terrain pour les copains. Okay. Et ensuite Shield en cap. Donc, ben, protéger tout ce qui peut décoder de Sukhumi, Gudota, Sochi et éviter que le copain se fasse fumer. Principalement hein, ces trois aéroports parce que c'est le plus proche, mais attention, ça peut aussi venir de Nalchik et de Beslan. Enfin, de Beslan, non, mais Nalchik, ils viennent, quoi. Voilà. Y a-t-il des questions? Alors, ah oui, une autre chose pour les fréquences.
de 4-4 pour la générale. À votre convenance pour les intras, sachant que j'ai pas pu encore faire les presets et les kniboards parce que je trouve pas le logiciel pour les faire. Il est plus disponible. Voilà. 123X 123, ok, copie. J'ai une question qui me mord les lèvres. Dis-moi tout. Il y a de la défense entière, mais est-ce qu'il y a, il y a de la défense demi-écrémée? Oh putain. Alors, clic droit bannir, j'ai pas les droits. Bref, moi j'ai une vraie question. J'ai une priorité au niveau de l'acide, sur quoi prendre. Alors, c'est comme tu le sens. Premier truc qui arrive, premier truc que je tire. Ouais, de toute façon, tu verras, les premiers trucs que tu auras, c'est ce qui viendra donc de la zone de combat. Ouais. Il y a du SA-15 sur zone, on le sait. Mm-hmm. Ensuite, derrière, tu auras... Tsukumi, c'est pas prioritaire. Après, ce qui peut être un peu plus intéressant, c'est peut-être si tu arrives à faire cracher les missiles du SA-10 sur Gulota. Copie. Alors, de toute façon, la cape, si jamais on monte un peu, on le fera tirer aussi, le SA-10. Hein, c'est pas un problème. Du coup, on a des waypoints ou pas là? Alors, du coup, vous avez pas de waypoint, donc good luck, j'ai la chef. Ah. Voilà. C'est pour ça, je l'ai noté. Ah, je l'ai noté. Je l'ai noté où? Je l'ai noté quelque part. Je sais pas où, mais c'est noté. Et... Ah oui, je l'ai noté dans les rôles et appareils, dans le fil du booking. Tom, t'as besoin de deux Apaches ou un seul au vu du nombre d'ennemis? Alors ça, c'est vraiment selon votre préférence, parce qu'on a... On a combien? On a trois appareils en strike, pardon, blop. On a trois appareils en strike et on a la base donc. Du coup, je peux demander pour le brief. Oui, il vole souvent avec nous puisqu'il fait, il est avec les T-Rex. Oui, donc oui. Vous avez la FARP qui est 12 nautiques sud-ouest, enfin sud d'objectif. Donc voilà, pour les allers-retours, il n'y a pas trop de route, ça devrait aller. Ouais, ok, ben on fait ça alors. La météo, la ça dit quoi? Comment? La météo, ça dit quoi? Météo, donc là il est 8h, 8h20, le soleil commence à se lever, il fait beau. Enfin, il y a pas de nuages? Il y a quelques nuages, mais vraiment... C'est clairsemé. C'est vraiment... C'est beau, voilà, il fait beau. On a un ciel, Noël. On a un beau ciel rosé. Oui, c'est joyeux Noël, parce que... On est le 25 décembre, du coup on ne leur envoie pas des bombes, on leur envoie des colis. C'était juste pour la blague. Voilà. Pour Fury, on prend la 124. Ça marche. Yes. Et en armement, Fury, on prend quoi? GBU Oh, libre à toi. Laser et gaz. Ok. Voilà. X, je t'ai dit quoi, 123 ou 126? Non, 123. 23. 123 du coup pour la cape Essiade. 123 pour Ghost, ouais. Mais tu n'es pas un Ghost, tu es un Shield, mon ami. C'est pas grave. Ah, je suis pas Essiade? Bah non. Je t'ai mis en cape parce qu'hier on a fait de la cape avec Elder. Et à deux, ouais. c'était pas mal. Ouais, très bien. Voilà. Donc je suis Shield avec Elder, ok. Non, pas du tout. Avec... Oh là, mais faut lire le briefing, putain. Je... Oh. Mettez-vous sur 123 quand même. Je serai quand même là sur 123 avec vous. Allez, vendu 123 tous ensemble. Non, pas tous ensemble, j'écouterai juste, puisque je travaille tout seul. Et ben, à tout à l'heure. Bon suite. Bonjour. Descendez-nous. Ouais. Ok, allez hop. Faire start-up. Alors. Ouf. Je peux pas réarmer pour l'instant.
je vais désactiver le chat. Dégage. Ouah. Qu'est-ce qui fait ça? Ok, bref. Je vais aussi désactiver. Hop, FPS off, comme ça c'est un peu plus joli. Je déteste Caucasus pour ça. Mais d'accord, y'a rien. Et de radio check. On y va. Et ghost radio check. Il m'a ghost. Tom Tom, tu me préconises arme ou jet d'âme? C'est vraiment comme tu le sens, sachant ouais, que il y a pas mal de, je te lis sur la zone de combat, il y a pas mal de SA-15. Je crois qu'au total il doit y en avoir 3 ou 4. Et sachant que, comment ça s'appelle, à part les SA-15 et les SA-18 sur combat, zone de combat sud, il y a pas grand chose autour, à part le SA-10 sur Good Attack qui peut vraiment embêter. Et copie. J'ai pas les fréquences en tête, mais je pense que c'est 2-4-4 là. Choix de briefing. Putain. Tout green jet. 4-4 je parie, 2-4-4, 2-6-3, 2-6-3, 2-6-3, 0-0, on va mettre 7-6-3-0-0. One green. Alors, et voyons. Ghost, on t'attend pour rouler. Négatif, je suis pas armé, encore. Oui, du coup, on t'attend pour rouler. Copie. Mais si on check la SA, y a pas encore de rouge, donc ça devrait aller. C'est script VEA, il faut qu'on rentre dans la zone pour que ça accède et... enfin, pour que ça pop les unités. J'ai rien entendu. Moi non plus. Le loadout interdit sur le 16, oups. Donc alors, tac, 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 preset 2, 2, 4, 4, 0, 0.
Ouf. Alors, j'ai juste envie de voir quelque chose. Est-ce que je veux juste voir les T-Rex? Oh oui. Oh oui. Bref. Et Ghost, Greenjot. Oui, Greenjot. On prend la 07. Ok, c'est pris. Coup easy, shield, roulage 07. Et one roulage. Coup easy, ghost flight, prêt au roulage juste derrière la cape. De roulage. Je sais même pas où je suis. C'est là qu'on oublie tous les deux d'activer notre nose wind steering et on se rentre dedans. Et on se fait un petit bisou. Un bisou à 4 millions. Côté-y, ça fait. Franchement, ça va faire plus d'un an que je suis pas venu là. Et au cas où, Tigogo, si tu te demandes sur lequel live tu es tombé sur le gars qui fait les skins pour la Nawax et du coup les T-Rex. Ou si tu vois ce genre de skin noir ou alors même le skin de nouveau skin de la T-Rex, bah c'est moi qui les ai fait. Voilà, je me les chevilles ça va. C'est moi aussi qui fais ça. Côté shield, on s'aligne 07. Tiens, j'y pense, ces unités là, les camions avec le projecteur, ça pourrait être sympa qu'on puisse les mettre dans le leader. Si seulement. Ouais, parce qu'on n'a pas de lampadaire en fait dans l'édition, c'est très négatif, chiant. Non. C'est des unités qui sont hardcoded sur la map en fait, et tu peux y détruire quand même, c'est curieux ça. Ouais, je sais, justement, c'est ça qui est que con en fait, c'est qu'ils sont à ça de nous fournir une unité avec de l'éclairage quoi. Puis sur les freins. Flight aligné 07, rolling à 8h33. C'est bon pour vous? 2-7. Ghost 7. Ok, 1-7, et lâcher des freins, spacing 10 secondes, lâcher des freins, top. Ghost rolling. Et on j'amorce ce virage par la droite, on va prendre un quasi sud virage droit. D'ailleurs, Barn. Est-ce qu'en menace RR, il y a des hélicos? Négatif. Et Ghost Flight Airborne, runway clear. Ok, alors on va faire notre petite work, tac. Climb, tac, tac, allez 5 degrés, comme ça on les cut.
fait, on va mettre notre add. Tac. Ajouter un petit glandu qui est sur la zone ici. Wen, je continue mon virage sur la droite à 5 degrés, je ralentis léger, je vais dégauchir au 200. Monsieur, dégauchir 200, speed check. Wen, speed 400, je vais diminuer à 380. 4, 2, 8, 4, 9, 5, voilà. Est 0, 4, 1, 4, 3, 0, 1, 4, 1. Il manque une chute, putain. Est 0, 4, 1, 4, 3, 0, 1, 4. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Est 4, non, vite, 4, 6. 27, 3, 8, 0, je continue mon virage jusqu'au 200. Pour le moment, picture clean. Vous êtes les glandules là. Ouais, je dégauchis maintenant, je maintiens mon 5 degrés 380. Putain, 8h36, c'est l'heure où je commence le boulot. Ouais. Donc, pardon, je me rends au travail, pas où je commence le boulot. Non, je commence le boulot vers 11h. Voilà. Un peu 3, 5, 0. Ça fait tellement longtemps, je ne sais plus comment on lit les datas. Oh pardon, je vous en envoie deux. Je voulais juste, je suis en train juste de pointer les SA15 et je vous les partage au cas où. Si c'est gentil, merci. Nous ne sommes pas ta clé USB, hein. Nous sommes ta clé USB. Non, vous êtes mon hard drive. On est engagé. T-Rex Flight Shield, vous êtes engagé par quelle unité? Ah, négatif, c'est nous qui engageons. Ok, c'est prêt. Bien ce que j'ai compris. Pour info, T-Rex Shield Flight actuellement au sud des positions. On sera en station dans, allez, 3 minutes. Ah, c'est bien pris, les T-Rex. Non. C'est couille.
Ouais, je commence virage 3 et on va prendre. Alors, je me suis fait des tier points. Standby, virage droit. Et fencing. Et one fencing aussi. Two fencing. Fuck. J'aplatis, virage 3, speed de 2-7-0. Deux jeux de data, mon steer de début de cap. Ça bien fait. Trop bien ça avec le 18, avec le 16. Tombe du ciel, non? Et attention, Appian. Trianguler un petit peu. DE c'est quoi déjà? Si je dis pas de bêtises, DE c'est un S11 non? Du coup mon goût. Est-ce que c'est à 15? C'est 15. Ah, les souvenirs. Le Fury Flight check radio. De T-Rex en Taurus A5. Sokomi is deploying. Aïe. What? Ils ont été destroyed? Good job. Good job pour le spawn kill. À savoir qu'on a essayé plein de fois hier, on n'a jamais eu ce problème. Ça, c'est les T-Rex, ils sont déjà là-bas avec les Apaches. Non, c'est moi qui suis over, au-dessus de la zone d'opération. C'est 15, on a combien déjà? Le shield pour info, la zone d'action est plutôt clean. Je te propose de qu'on push sur ce cap là jusqu'à être dans la bulle du SA10. C'est bien pris. Comme ça, dans le meilleur des cas, on peut weasel un petit missile. Devant lui. Visuel sur plusieurs fumées dans nos 11h. Confirme, c'est la zone de combat. Ah merde, je pensais que c'était des barbecues. Barbecue qui avait mal tourné. Oh, ça aurait fait des sacrés barbecues quand même. Hein. Oh, vu la saison, par contre, c'est pas le moment. Quoi. Mais il est à 15-11h. Et Ghost Magnum.
bien la le sur le RWR la target declutter là pour j'ai l'impression qu'elle marche plus. J'appuie et ça me declutter pas. Le pardon. Sur ton RWR t'as une touche qui permet de déclutterer les. De dégrouper les le lot de contacts du style LAN OS A15, si t'en as 14 au même endroit, on voit pas bien ce qui est écrit, t'appuies sur la touche et ça declutter. Et là elle marche pas. Ah, bizarre. Moi comme un teubé, je viens de lancer un self-test du RWR. Why not? Qui n'est à 15? Les copies, il semblerait que j'en ai eu au moins un. J'en ai lancé sur deux. J'ai pas pris mon HTS pour te confirmer ça. Oui, il y a les datas, mais je sais plus comment on fait. Les puristes diront que c'est pas réaliste. Oui, non, c'est absolument. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le loadout interdit en fait sur le 16. Mais vu que je suis seul, en fait, je me permets. Ok, les deux que j'ai data, je les ai pas détruits, donc j'en ai détruit d'autres. T'as T-Rex qui t'a appelé, c'est bon? Ghost. À l'écoute, Ghost. T-Rex, on a spoté un SA15, on peut vous tuer les coordonnées. Pardon, excuse-moi, je continue ma route au 350, c'est l'autopilote là. Et copie date, l'écoute. Après, je suis en train de regarder comment ça se passe en bas. J'ai contact Datalink, Noteaser pour une centaine de nautiques. Et je suis traqué de format pour vous. Si tu veux, tu peux prendre un cap 090. C'est le format que vous voulez. Je prends 090. Et Wen, je vais poursuivre jusqu'au SN. Allez, T-Rex, on arrive. Fier Wen, pickle sur lanceur SA15. Deux contacts au 050 approx. Et Ghost de T-Rex, prêt à copier les coordonnées? Prêt. 37, Tango, Golf, H, donc Echo, non pas Echo, Hôtel. Je reprends 37, Tango, Golf, Hôtel, 16, 38, 02, 59. Et 15. Copy date, readback 37, Tango, Golf, Hôtel, 1, 6, 3, 8, 0, 2, 5, 9. Et copie OK et élévation moins 88. Copy date, moins 86. 2, 4, 0, 90. J'ai pris, vu la distance à laquelle ils sont, One, je vais faire juste un petit coucou au SA10 pour voir comment il réagit. Je vais ensuite rabattre sur un cap sud. Et deux, dans l'attente, t'as la priorité sur les deux bandits. Je te soutiendrai si la situation n'évolue pas, je te soutiendrai normalement. Très bien pris. Oh, je fais de la merde. Je suis en train de regarder en dessous de l'écran. Deux, je suis en ordre de QTZ. Est-ce que je vais te revenir sur toi? Non, tu peux continuer au 09. Dès que j'ai un Spike 10, dès que j'ai un Spike 10, je reviens vers toi. Et ensuite, on va prendre en sandwich les deux bandits qui arrivent du nord. Hey, Ghost Magnum, pardon. Ok.
cap sud et je vais revenir sur toi 2. 2, tu as la priorité sur l'engagement des deux bandits nord-est. Même prix de virage gauche, je remonte sur les deux bandits au nord. Alors, on va tricher un petit peu, mais ça me fait 2, ok. Mais de 70 nautiques des deux bandits, j'ai de 23 et 20. Allez, pop-up nord de la zone, WAM je continue vers sud. Nail 29. Ok, Ghost RTB, Winchester, au moins 2 SA-15 détruits sur le front de mer. GG. Allez, T-Rex, merci. Affirme One Pickle, lanceur SA-15. C'est pas lui. Deux Shield, deux paires de bandits en provenance, l'un de l'est, l'autre du nord, en comité. Écoutez-y. 44 X-ray. 44. X-ray, on va en track, track, donc 2, tu as 2 bandits. Ah, plus que ça, 3 bandits. Je vois pas bien si c'est ça. Je vois 3 bandits d'Angleterre. Ok, je le sais. J'ai mis hors break depuis tout à l'heure. L'engagement sur ces 3 bandits là, je vais essayer de prendre sur les 2 bandits provenant du nord et ensuite je vais sortir. C'est le même prix. Ego switching, écoutez-y. Commence à faire vachement trop jour, on va augmenter la luminosité. Ok, parfait. Je suis pas fou là, mais pourquoi j'ai un offset de merde? Bref, alors pour convertir maintenant, alors attends, c'était 21-25. Attends, non, c'était. C'était là. Alors Grid, il nous a donné quoi? Tac, donc 3-7. Et après c'est Tango. Merde, non. Il s'agit de dessus 33 ou 34. Allez, reviens. Ah, je sais pourquoi. Je vais remettre les lumières. Tac tac, donc 37. Et c'est là, donc la Tango. Tac, square. Donc c'est tac, golf. Tac, hôtel. Tac. Et là, du coup, donc. 1, 6, 3, 8, 0, 2, 5, 9. Je sais pas écrire, 2, 5, 9. Tac. Élévation. On va laisser 0. J'ai traité un bandit, un second bandit toujours là. Je vais te confirmer, j'ai envie de mourir. Pareil de ton côté. Crossfire, non, y'a pas de panique. Tranquille, ça passe.
Et Ghost of Flight, écoutez-y, on approche de vos installations. On commence en plein vol. 37. J'ai le contact Angel 17. Golf. En Tango, putain. Et disons que. Putain, on est orange là! J'ai un hôtel. J'ai 6-9 et j'ai un 18 qui est loin. Je reviens une petite seconde, désolé, je dois être là. Ok. Ouais, c'est là. Bon, parfait, on est presque en finale. Ça va disparaître ça. On terminera ça après. Sur le FCR ou sur l'HTS sur le HSD. HSD. FCR aussi il apparaît pas. Enfin je l'ai pas. T'es en FCR, t'es en quoi? En hall ou t'es en FMR? En bas à gauche. Au-dessus de swap. Hall. Ok parfait, bah ouais, t'es sur le bon mode. Ouais, TomTom, reset ton mids LVT, repasse-le en off et puis on. Bon, pardon. Fury 2, un AV8 en approche de QTJ, piste 07. Le mids LVT là, sur le tout à ta droite, faut que tu le mets, mets-le en off. Attends, et on après. Des installations. Et copy that, Ghost en et atterrissage sur la piste 2-4 en finale. One en commit sur tes deux bandits. Copie, oui, je me reste en combat. Tu peux rentrer en circuit, hein, y'a pas de soucis. Hein. J'ai également un 4ème bandit, juste 36. La copie, dans ce cas, j'ai fait une verticale et c'est intéressant de break. Tu peux recommit après. Oui, tu peux. Et Fox 3. Et 2. Ça va être ouais, va falloir gérer là par contre parce que j'ai l'impression qu'on va oh god. T'as engagé le bandit Angel 23? Alors il y a un clutter Angel 23-24, j'ai le trail. Vachement vite. Il y en a un plus derrière Angel 26. Ok, bien pris, je vais prendre le 26. Oui. Ah c'est bon, j'ai le premier et Fox 3 sur le lead Angel 24-25. Après j'ai les deux qui sont derrière moi. Prêt. Putain, mal éclairé cette piste. Enfin pas mal éclairé mais en vert ça rend plutôt mal. J'arrive pas à voir la fin. Ah si elle est là, c'est bon. Écoutez-y, report Ghost Flight runway clear. Taxi to jusqu'à parking. Putain, chaud, je me suis rapproché de comme un grenouble, je suis au-dessus, Angel 35 qui font un virage, il me fox de dauphine. Vitali sur un impact. Je dirais deux impacts. Attention, j'ai deux fox 3 qui viennent de partir. Hein. C'est pris virage droit. Côté Zephyr One, on approche depuis l'ouest. Pour une approche pour l'appel, c'est l'opéti. Moi, c'est pas avec SA8. Je suis de vertical piste 07 pour un atterrissage au break. Et Splash One.
partage tout. Joli. Good job. Moi, il me reste un Fox 3, un Fox 2. Deux de Fox 3. Tu roules comment? Ok, du coup, ouais. Si tu as eu tes deux bandits, j'ai eu les deux miens, picture clean. On va attendre que le designing se refresh. One, je prends un 2-1-0. Je continue avec mes deux loadouts un peu. J'ai toujours un bandit Angels 27 qui vole parfaitement un bien. Un peu maudit. Okay, je suis de rentrer. Celui qui est juste en moi. Deux Fox 3. Il a pas pris, je pars de fight. Est-ce que vous aussi ça lag les appareils à l'horizon là, le... Négatif. Spike 21. One no merge MiG 21. Qu'est-ce que c'est pris? Il est dans tes 6 ou... Je suis 2, je tourne en passe dans. Négatif dans mes 12. Ok, parfait. Faut une one vertical. Je te laisse gérer, c'est ok? Ok, bien pris pour 2. Non, tu... c'était une question. 2, ça devrait aller, je suis dans ces 6. Je me construis un peu de vitesse. Oui. Ah putain, merde, je suis con. Fais un one break. Ça remplit rien. Je suis sur les deux finales 07. Bon, on va laisser faire et on prend le revanche. J'ai le TGP en plein dessus. Fire One, vent arrière 352. Putain. Oh oui, c'est maudit. Oh, c'est mou. Je crois qu'on a deux MiG-21, c'est bon pour toi? Est-ce que là tu as le bandit, le MiG-21 qui va prendre de touch. Négatif, le main est en... il est pas en Angels 28, hein. On est pratiquement au deck. C'est ok, donc il y a deux MiG-21. Je m'occupe du 28. Ok, il y en a un tactique kill. Kill par manœuvre tactique. Tu me dis rien, mais complete? Ouf. Pas de tirisme. Tu sais quoi? Splash pour mon 21, est-ce que tu as besoin de soutien? Négatif, il s'est pris la montagne là bien. Omega lol, il y a d'autres pop-up, moi il me reste que un Fox 2. Fury 1, short final. Fury 2, pistolet clair. Ok, c'est pris, donc soit je te laisse gérer le pop-up, je file RTB, soit on peut maintenir et puis on fait un pushback le temps qu'on rearme. Comme tu les sens. Ok, dans ce cas on va faire pire que ça, c'est à dire que là je suis proche du bandit, il est sur le deck, je vais essayer de l'avoir au décollage en Fox 2 et puis je vais réarmer après. Voir même toi, tu peux même déjà filer pour réarmer. T'as bien pris. Très one touch. En pleine patate en direction de QTZ. Vous l'auriez. Il est là. Ok. Et Ghost taxi jusqu'à la piste active. Pouf.
j'ai deux autres bandits pop-up plus au nord. Et bien reçu, 2.45 nautique de QTZ. Je vais essayer de le sneaky. Et Ghost Flight, toujours ma ligne 068. Je suis à 9 nautiques. C'est les d'un MiG 29. Je l'ai verrouillé Fox 2. Et de Spike 29 dans mes 6 heures. Fox 2. Allez, good hit sur MiG 29. Écoutez, si Ghost One Airborne. Tu es où il est 2, il me reste un Fox 3. Ok, continue sur Koutesi. Il y a du décollage plus au nord. Continue. Au pire, on fera un léger pushback. Ghost One switching tactical. Bye bye. Shield Flight Winchester, RTB. On va réarmer, on revient. Picture clean, sauf deux bandits. Une cinquantaine de nautiques au nord, stay tuned, pour le moment continue, mais soyez prêts à pushback. Les T-Rex en rentrent également pour réarmer les pilules. Parfait. J'ai oublié d'activer les réflexions. Je déteste. On voit l'intérieur du cockpit sur l'écran de droite. Je déteste ça, j'ai oublié d'activer les nautiques. Je me suis fait encore faire avoir, chaque fois je me fais avoir par ça. 1.44. Tiens, juste pour faire chier le monde, j'ai envie de passer au-dessus de la zone d'attaque. TTBA, bien là. On dit c'est une bonne idée ce que je fais. Oui. C'est en plein dans les cercles rouges du SA-15. J'adore faire ça. C'est parti. On va vérifier si X a bien travaillé. Si tu passes vraiment sur la côte, t'as pas de soucis, mais c'est le reste qui vont poser souci. À moins que du coup Fury sont occupés de quelque chose. C'est exactement là que je vais. Si j'en croise un, je vais le gun. Non, je déconne. Et de. Shield 1-2, je passe sur 2-6-3 QTZ. Je vais survoler les SA-15. J'en vois un, allez chiche gun. Ah non, c'est pas un 15, dommage. Ah, il est détruit. Faire peur au T-Rex. Alors, c'est pas parce qu'il y a tripack qu'on a besoin d'un tripack. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce que tu vas faire. Ah, un T90. Où toi? Bonsoir Tripac. Je t'avais dit quoi? Non, moi je suis sympa. Il a dit quoi? Aucune idée. Ce programme est disponible en audio description. Oui, s'il vous plaît, oui.
Et Ghost Pickle. Comme QRA. Faut que je regarde, je sais plus. Quick alert reaction. Quick alert reaction. C'est, enfin, c'est une unité de scramble quoi. Quick reaction alert, ok, ouais. Flash, les débris du sous-marin Titan correspondent à une implosion catastrophique, confirmant la mort des 5 passagers. Attends, quoi? Ils ont trouvé le sous-marin? Ils ont retrouvé des pièces à la surface. Ils ont retrouvé les sous-marins. Sad. Assad. Je peux m'autoriser à faire un petit flyby de Elder et Balit. Régale-toi, hein. Oui, eux ils ont l'habitude. C'est mardi. Fuck. C'est beau. C'est à côté ça. J'ai de la scroll switching à côté ici. Et Ghost Pickle. J'ai quand même l'impression qu'il n'y avait pas dessus. Fury One Reject. Higgs, c'est quoi le pip 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 souvent quand tu atterris? C'est les balises d'aéroport de la piste. Quand tu, quand tu regardes ça, en fait, tu vois ton ta boussole en bas? Oui. À droite, il y a une espèce de. On dirait une petite LED qui est éteinte. Bah c'est ça en fait, ça s'illumine en vert quand tu passes au-dessus d'un beacon. Merci. Putain, mais je suis con! J'ai lâché des putains de.
Alors ça serait rigolo que ça touche ça par contre. Non, ça a pas touché. Ericsson s'est fait abattre, il est dans son hangar. Ouais, je me suis fait abattre parce que au lieu de lâcher un arm, j'ai lâché une JDAM. Ah. Ouais, et je sais pas pourquoi, j'ai les 3 JDAM qui sont tombés à côté de la cible. Mais genre vraiment, genre bien 500 mètres quoi. J'ai quelqu'un, il y a une info sur. Sur Nitrox parce que je le vois pas sur map. Il a pas été abattu et genre il est encore airborne. Puis regarde sur son live. Hein. Yeah. Là je le vois en A10 C2 sur le tableau des scores. Ah oui, F il a pris un A10. Écoutez-y, airport Ghost One au roulage, piste active. Et Sud One tout décollage, piste 07. Airborne,
2-1 switching tactique. Écoutez-y, Ghost Giovanni sur la 07. I don't care. Paire de contact est, un bandit nord. Est-ce qu'une brave âme peut me déta le centre de la zone d'opération? Je te fais ça. Merci very much, merci l'amour. Cœur. Et oui, c'est ça le F-16. C'est un esprit communautaire. Moi, j'aurais rien pu faire étant donné que j'ai compris que t'avais dit que quelqu'un peut me décaler, me décale le centre. Ouais, j'ai pas compris. C'est plus de ton temps, hein. C'est l'âge. Affirme. Est-ce que tu veux prendre le bandit nord ou le bandit est? Comme tu veux, actuellement je suis en dessous de toi là. Ok, c'est pris, bah écoute, prends le bandit nord, il est bien haut, bien chaud. Allez, Wolf 2, je prends. C'est haut, c'est chaud comme un bon chorizo. Chaud, cacao. Chaud, 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 MiG 29. J'ai un contact flanking Edges 23. Ah, friend. Il va falloir que t'approches la Wax hein, pour les prochaines missions. Hein. Il est trop loin. Ouais, il est trop loin, même de nous. Hein. Ok, je vais durer son pattern. Je vais me le noter tout de suite sur mon petit calepin. Copie date. Est-ce que vraiment, IRL, chacune des pages du MFD a son... sa luminosité indépendante, ou est-ce que c'est un truc de du dynamisme de l'aigle? Aucune info. Approchez la Wax, c'est noté. Parce que là je ne vois qu'un mec Angels 26, alors je sais que je vois qu'on est plus de 4 là visuellement. J'arrive pas à voir, je suis le seul dans les yeux. Ok, y'a rien. Je vais en zone rouge. Et j'ai le contact au radar. Et Spike F1. Ouais, non, commit sur le bandit Angels 27 Est. Bon, ça c'est bon, il faut que je mette juste ça en opérationnel. Les lights c'est bon, tac tac tac, allez nickel.
de Fax 3 sur Mirage F1. Comment dire, je pensais pas que ça la... Ouch. Oh, de toute façon, il était cold et je suis clean, donc au pire, il est RTB. Je reprends sur le bandit qui est je ne sais pas trop sur le deck, je crois. Entre toi et moi là. Je suis actuellement au cap 0,85 pour 9000 pieds en montée. Copie, c'est pris. J'ai notre joy sur le bandit sur le deck là. Je recommit sur les bandits qui sont un peu plus au nord. Bien pris, je continue de reculer un peu. Ouais, là je suis trop haut pour celui qui est sur le deck. Le riflé, c'est marrant. Sur le commit. Hey, j'ai le bandit Angel sous 20 à ton nord. Cold. Ok. Ah, s'il est cold, j'ai pas trop envie de là-dessus. What the fuck, il est à l'arrêt ou quoi? Ça bug? Qu'est-ce que ça fait? Tu la vois que c'est loin. C'était pas bien actualisé. Ouais, bah, s'il est parti cold, ouais, la WAX a perdu l'actualisation, il va fade date d'ici quelques secondes. Ghost est sur 244. Négatif, je suis à côté, je me suis fait abattre par un SA15. Okay.
Daisy Ghost One, je m'aligne sur la piste 07. Et Wen, je suis en commit sur Bandit Nord, mi Jules 20. Compris, 2 en support. Et Mud et Nail, Mud 10, Fox 3, je prends Cold. One, t'as tiré sur le premier ou le deuxième? Je n'arrivais pas à voir les deux, je ne savais même pas qui en avait vraiment deux, j'ai tiré. J'ai mon expand même, je sais pas vous, mais il marche pas. Enfin, il marche pas, il bug. Ouais, il vole vraiment serré en termes d'information. En plus aussi, ouais. Mettre Angels 20 cap sud. Je suis 25 sud-ouest. Deux défensifs, Mirage F1. C'est Megan 2. J'ai Fox 3, Mirage F1 et parti en centre défensif. Oui. Je reprends. Donc c'est de toujours en Y, ce cap 107. Fury de Bombaway sur SA15 nord de la zone ennemie. Fury 1 SA15 détruit. Écoute, Tommy, t'en penses quoi de des vagues ennemies? Bah ça marche bien, c'est progressif, c'est tranquille, c'est varié. Ah bah il y a un moment où tu dis ça, il y a un 30 qui arrive dans notre est. Probable. Mirage 21, par contre, j'ai l'impression qu'ils ont été détruits. Ils se regardent, j'ai un pop-up nord 60 nautiques, Angels 19. Et après, j'ai tiré, j'étais à 18 nautiques. Ouais, je suis les deux à 15 détruits. Ah ouais. Tu veux prendre le SU-30, je continue au nord sur le Angels 19. Ouais, le SU-30, c'est celui qui est sur un cap 0,50 là dans la prox. Ouais, c'est ça.
Ok, deux, je prends. Bon bah tous les 50 ont été détruits, je crois que j'en ai détruit que 2, surtout. Mud Spike 10. Je vais voir si mon jammer il arrive à break un à lock. Eh oui, il a break un lock. Il breakera pas deux. Ouais, parce que là je suis hot depuis tout à l'heure sur les bandits de Jules 20, j'aimerais bien faire au moins un Fox 3. Oh oh. Oui. Mais elle est à 10. Oui, moi aussi. Ah oui, c'est pour toi. Ouais, je suis le jeu 36, Fox 3, et je plonge. Ça va être drôle, ça. Ah, intéressant ça, Tom Tom. Indice, je recommit. Copie. On reste un Fox 3. Copie. Rien 3 rifle. Et shield de Fox 3 long. Déjà, on va regarder la poursuite. Oui, canard. 1-2, j'ai besoin de support. J'ai 4 appareils, 4 missiles. Ça peut passer, mais faut que je serre les fesses.
Splash One pour Shield One 2. Shield One 2, Fox 3. J'irai un 3 E-Note sur Char. One de retour, désolé du coup le son. J'ai Fox 3, je suis cold. J'irai un 3, rifle. Shield 1, 2, splash 2. Toutes mes Jedam tombent à côté, y a, pourtant y'a pas de vent. When je suis Winchester. Et Shield 1 to Fox 3. T'as besoin de support 2 Afi. J'arrive. Merci, en plus je suis meute par SA6. Reviens vers la zone d'opération si jamais. Tire un 3 E-Note sur un nouveau temps. Je vais essayer. 2, désolé, je t'ai perdu, je sais pas où tu es. Dans la merde. Chéri 1-3, rifle. Ok, ouais, je splash shotgun gun. One touch, je me planque dans les volets et je reviens vers la zone d'opération. Affirmative, comme ça tu es haute sur moi. J'ai l'impression que les demandis sont... Ils sont cold à ma position. J'essaie dans Fox 1, dans Fox 3-1. Je suis en train de scanner derrière toi au VSR. E-Note sur un nouveau char. Rattle check 2. Toujours vivant, toujours copie, la balade. Copie, copie, je t'entends, je te voyais plus au data link, c'est pour ça. Ouais, je suis dans les montagnes, je joue avec les Fox 3. J'ai rien 3, rifle. Shield 1 to splash. Il reste un bandit qui est en virage gauche en zone 27. 1-2 Winchester, je vais RTD. Et chez 1-2 Betty Spag F16, Angel Songs. Copie, c'est moi.
Clear de 1-2, le bandit est pas out of position, il est en orbite gauche. C'est ok si je m'arrête là, il y a ma copine qui est pas très bien là. Pas de soucis. Je pose et je vais y aller. Pas de soucis. La famille avant tout. Ouais, bah carrément quitte maintenant, hein. T'emmerdes pas, hein. Quand même. Je suis 1-3, Inode sur. Pose-toi sur une route tout en haut. Confirmé au VSR, pas de bandit hot. Ouais, copie. Tu peux regagner de l'altitude si t'as. Si t'es short carbu. J'ai rien, 3, double rife. Ouais, 1-2, je suis 5.9 carbu Winchester, hein, j'ai plus de missile. Allez, One, je vais vous laisser là, du coup, désolé. Et bon courage. Bye bye, bon courage. Shield 1, last call, s'adresser à Shield 2, Shield 1, last call, à plus tard, merci. Et Shield 1 to Winchester RTB, QTZ pour réarmer les fuels. Ghost RTB, Winchester également. Fury 1-3, double rifle sur T-55. Rifle. J'ai 1-3, roquette inefficace, je passe canon. J'ai 1-3, gun. Nitrox, tu tires sur nos copains! Quoi? Aborde, Nitrox, tu tires les copains! Et il était pas au courant que le théâtre en fait c'est raid contre raid. Aïe. Oui, alors, le théâtre c'est du raid contre raid, mais nous on est les gentils raids! Faut que t'attaques tout ce qui fait face au sud, qui sont plus au nord de ta position. Ouais. Ouvre ta map, tu vas voir. Actuellement, t'étais en train d'allumer nos T90, enfin nos T72 à nous. Faut que tu montes un peu plus au nord, 10 nautiques. À la zone de combat, et il faut que tu engages tous les véhicules qui font face au sud. Salut les méchants.
préviens-le, je passe sur 2C3. Et chez le 1-2, on approche vertical piste pour une approche sur le break main gauche. Et Ghost One, je te rattrape pour entrer derrière toi. Bien, chez le 1-2, actuellement vertical piste, je vais partir sur break main gauche. Sur le break. Speed check. Donne une pire. Speed check. Ah, pardon. Attends, répète du coup, j'ai pas suivi. Speed check. Ah pardon, speed 240 en vent arrière. Copie, actuellement échelon droit. Ah ouais, coucou. Je drop 200. Et copie. Pour toi et chez le t'écoute. Sur le break pour base turn. Et base turn, tu prends quoi, gauche ou droite de la piste? Je vais prendre la gauche. Et copie, gauche sur droite. Attention le sol. Ça passe. Et 1-2, aligné short final pour piste 07, je prends côté gauche. Mal aligné. Et 1-2, speed 180. Et Ghost, vitesse maîtrisée. Et Shield, vitesse maîtrisée. Shield, libère la piste par la gauche. Oh, t'as fait un petit checkpoint pour rentrer sur le taxi. Oui, c'est un petit roadblock. Il y en a toutes les entrées. Pog. Il ne faudrait pas laisser n'importe qui rentrer sur notre aéroport. Et là pour rendre fuel.
Rogan, Nitrox, on est d'accord, il a les Sidewinder inertes d'entraînement. Ouais, ouais, il a pris les inertes. Alors, j'aurais peut-être dû noter une zone un peu plus petite pour la zone de combat et peut-être un peu plus... plus guidé parce que la zone est très grande et elle n'est pas pleine d'unités quoi. Ouais. C'est pas optimal. Yeah. De noter ça. Un A10 with. Un A10 with Cap9s, which is the training missile. Also smoking. Ok. Y'a du manpad sur la zone? Oui. Bon, mauvaise soirée pour moi, je vous laisse. Bonne soirée! Désolé. C'est green. J'ai pris 2 GBU pour finir les 2 putains de SAM sur la deuxième zone et je prends le reste, je passe en cap. Bien pris. Quand tu veux. Allez, 2 je roule. Airbrex. C'est pour la beauté. Là franchement si des GBU 12 fonctionnent pas je comprends pas. J'ai toujours eu du mal avec les 38. Ah mais là je sais pas pourquoi, elles ont toutes raté mais genre de quelques mètres quand même hein. Je sais pas du coup si, enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait, d'après du coup le F-16 il dit qu'il y a pas de vent ici mais bon. Du coup c'est pas ça, c'est un problème d'alignement. Non mais moi je te dis les 38, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les 38. Enfin moi ils ont marché. Bah moi avec le 16, toujours un peu de mal à taper, en revanche avec le 18 c'est nickel. Je sais pas si je verrouille mal ou pas bien mais moi je contrôle. Tricycle. T'es arrivé un peu trop vite là-dedans mais bon. La tricyclette. Non, tu. Oh, bon, c'était stable. Ça, c'est comme une moto. Plus tu vas vite, mieux ça va. Absolument pas. Ah.
l'extérieur. Drag Race. Tu veux qu'on aille bourrin direct d'un coup là? Allez vas-y, 3, 2, 1, go! Je suis plus léger que toi. Probable. Ah bah oui, on a 2 GBU-12 contre les tanks, je pense que ouais. Et je prends virage gauche pour les directions de la zone de combat. Et je prends 10 degrés d'inclinaison. Affirme, là je vais arrêter dessus, du coup je vais directement aller jusqu'aux cibles. Bien pris, bonne chance. Je switch tactical. Pareil. Retour sur fréquence. Et Ghost de retour sur fréquence. De Shield, on en est où de la mission? Statut de mission? Bon, on vient de traiter les deux derniers églations en zone, on suppose que c'est pire. Bien pris, du coup, RTB pour tout le monde? Affirmatif, Fury 2, lâche sa dernière GBU, puis RTB. Ok, bien pris, donc Shield 2, je me mets fin escorte sur Fury 2. Fury 2 T-Rex, on est RTB arrivé à la base dans 10 minutes. Et bien reçu T-Rex. Bon bah on a décollé pour aller se balader. Ouais. Je suis Fury 2 Bombo et sur Hitler. Je reprends ma route direction QTZ 44 X-ray. Il y a un contact dans nos 1h, 2h là qui est un peu proche. Ok, il glatte. Je pense que c'est dangereux. Ouais, j'allais lui mettre un feu trop dans les dents quand même. A bit poorly, not gonna lie, but mission is a success. Et Shield 1, 2, enfin, on fait fréquence, mais il note sur un bandit, un J26. 6, 7 JDAMs, and they all missed by like a few meters. I don't know why. I mean, I don't know if it was an alignment problem or if there was wind. I guess there isn't wind since the F-16 is telling me that there is no wind. So yeah, we are all RTB, so maybe 30 minutes debrief, and then the server will be free, I guess. Yeah, but for me they were set correctly. I don't know. Maybe there is an issue. If you want switching to this. Yeah, I don't know. On the tag view, it will be. We can see. We would see them miss by a few meters. But yeah.
I think out of the there was like 4 saved 15 here on the AO, and I've hit the two of them on the left. And the rest was done by the strike. Pre-planned. Well, I set them by TGP, but also but I also try them by with the. Well, I've put the TGP on it, created a mark point, and put the aircraft onto with the on the waypoint. So I don't know. We'll see. I might want to try later, maybe, to see if I can reproduce the thing. Maybe it was a me issue, maybe it was the plane issue, maybe it was the mission issue, I don't know. I need to try it so I can be sure. Ouais, je pense pas que tu le rattraperas. No, I didn't use just with the TGP. Just say well, where's to aim, and you don't need the laser to work for it to designate. Ouais, ouais, je l'ai perdu au radar. Je me mets en RTP. Affirme, je suis sans. Je suis dans ton. Dans tes 6, je vais RTP aussi. Ouais, j'étais à l'ISA. Moi aussi depuis tout à l'heure j'étais PDLT donc je te vois dans le casque et dans le. Okay, welcome back. I said when you designate with the TGP, you set the coordinates for the JDAMs on the 16, so you don't need to laser. That's all I said. No. As you can see, I'm in snowplow mode. Oh, whoop. Snowplow. And it, you see, I don't need to lace to get different coordinates. It moves with the cursor. Does still have that deviation, but you can use there is like we have a cursor zero which brings up to the which bring up the coordinates the original original coordinates that we you've input. So yeah, I've tried it. I don't know what's the issue. I will try it later. Maybe this update has busted something on the 16. Je passe sur 2-6 toi. 2-6-3. Yeah. Shit happened. Tu dis de l'atterrissage ou ça va? Fury 2, 5 Magic, piste 07, point long final. Affirme. Speed check. 4-5-7. Fi. I'm fast as fuck, boy! Fury 1 touch. Check. 2-4-0.
de 6-8. Bien pris, je suis derrière toi. Fury One, piste dégagée. C'est quoi ? Je passe idle et je... on descend 10 degrés. Bien pris. Fury 2, final de piste 07. Tiens, je vais foutre. On va atterrir en Agnès. Agnès, bien pris. Allez, Fury 2, touch. Tu te rappelles ? Allez, Fury 2, ouais. Piste dégagée. 109, 75. Tu sais ce qu'il faut rentrer ? Oui, la fréquence 109.75. Et la course ? Course 0.70. Parfait, nickel. 70, pas 0.70, il accepte pas. Oui, pardon. C'est pas grave. Du coup, on va faire tourner sur la gauche, on va partir initial. Toujours à 2 là. Reste sur ma droite. Attends, on n'est pas encore initial. Écoutez-y, en initial, 2F16 en initial pour la 07. Pour break main gauche. T'étais prêt pour le break main gauche ? Ah oui. Allez, let's go, toujours idle. 2,5 G. 2. Power. PPH si tu veux savoir. 2,30 en speed. Écoutez-y, Ghostlight en vent arrière, en base turn. Ouh, je décolle un peu trop tôt, mais bon, c'est pas grave. Gears down. Je prends la gauche une fois qu'on sera aligné sur la piste. 2-0-0 en speed. Et on fait base turn. J'accélère un petit peu pour maintenir 2-0-0. On se ralignera juste après puisqu'on a trop tourné. Enfin pas assez plutôt.
Ok, virage droit pour s'aligner. Oh, je suis vraiment aligné comme de la merde par contre. Hey, Fury Flight, last call. Touch. T'arrives à ralentir jusqu'à la sortie? Je vais prendre la dernière moi. Fais le tour. Prends pas la dernière, fais le tour. Après. Oh, tu peux cut sur la gauche. Bon, il y a les stratés, hein. Ça c'était de la merde ce qu'on a fait. Oui, bah il y avait le glide à la fin quoi. On se carre à la ZUB pour partir le plus vite hein. Ouais. Je prends la première à droite. À la place de parking je parle. Tu gares face au poteau? Entre les deux. Et Ghost Last Call. Shield Last Call. Oui, oui. Alors, comment s'est passé pour vous le vol? Bah écoute, mis à part, encore pété le petit pote de Jeff, sinon ça va. Encore Mais ça arrête pas. Bah, c'est une dinguerie. Bah, moi, la strike en avait 8, ça me régale toujours. Hein. Bientôt, les 15. Bah, bientôt. Le temps de l'apprendre. Ouais, putain. Ouais, ça, ça va être un sacré morceau aussi. Hein. Ah, ouais. Bon, bah du coup, ouais, bah, côté cap, ouais, on a fait. On a bien bossé. Ouais. Il est parti, Tommy, j'ai pas entendu. Ouais, il a dû partir. Hein. Ok. Bon, ce que j'ai compris, c'est pas bien passé pour Nitrox. Je sais pas, il avait des problèmes d'alignement apparemment en F18. Genre, il avait un message IFR, RDR, je sais pas quoi, enfin, je connais pas. Il a fait aller.
Quand il s'est rapproché, il s'est pris un attaque, quoi. Voilà. Ouais, donc il a pas eu les bons timings. Bah, j'ai vu en direct quand il a pris le manpad. Hein. Bah à la fin il a fait exprès, hein. Il a dit vas-y je le fais tirer. Ouais. Il était un peu saoulé. Ouch. Des soirées, Comas. Ouais, c'est ça. Ouais, des soirées, hein. Comme toujours. On ne voit jamais rien. Alors, c'est lequel? Ça doit être lui. Donc en plus, quand il tirait sur les chars, moi je voyais les chars péter à ce moment-là. Et en fait, on s'est rendu compte après que c'était les T-Rex qui tiraient dessus et non pas Nitrox, quoi. Ah! Et puis bah, ouais. Moi, au moment où je l'ai vu, j'ai ouvert son stream, je me suis dit, tiens, vas-y, je regardais. Enfin, sur son petit pote, je vois l'unité qui pointe au nord, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je n'ai pas mis d'unité rouge qui pointe au nord. Je vois la meuble, je le vois en train de taper nos alliés, j'ai fait, ah! Ah ouais, puis nous, on était là, on l'encourageait et tout, tu vois, on disait, allez, good it et tout, ah, tu vois. En plus. Sauf que c'était pas lui qui tirait dessus, en fait. Vas-y, remets-en une couche. Le pauvre, ah. Il n'avait pas le contexte du théâtre, donc il savait pas que c'était raid contre raid. Les blues. On a tapé les mauvais. Non pas nous. Non. Vous non, Nitrox oui. Ah ouais c'est ça ouais. On a eu peur. Mais comme il dit Elder, il disait qu'il tirait dessus, on voyait péter, mais en fait c'était les T-Rex. Aïe aïe. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va le faire rapide celui-là. Yes. Bien sûr, je suis curieux de savoir où sont partis. Où est partie ma première bombe. Je fais la strike, plus c'est illico en premier, hein. Comme ça, pour les gentlemen qui veulent partir. Hop. Oui, pour vous, T-Rex, c'est passé comment la mission? C'était nickel. Plaisir. Ok, tranquille. Attends. Vous avez emmerdé avec les SA-15 hein? Non. Oh, c'est une formalité pour nous, SA-15. Ouais. Pam, début des hostilités. Ils sont tous dispersés. Donc, faire face au sud. Ah bah oui. Ils regardent assez le sud quand même. Alors attends, j'ai bien noté aussi. Il faut que tu les tapes une fois, après ils bougent, ouais. Ouais, mais faut. Disperse Underfire, faut que tu mettes en false. Ouais. Disperse Underfire. Après, on va partir sur la montagne à droite de mémoire là. Oh putain. Oh. Un truc qui a été intercepté. Elle s'est fait intercepter du coup, ok. Ah oui. Eh oui, c'est considéré comme des missiles, des air-ground missiles. Donc ça se fait intercepter. Oh, raté. Oui, celle-là. Joli. Elle est passée. Si. 38, pra. Allez hop, ça c'est fait. Ouais, passage, j'ai lâché 8. Ça c'est de l'arrière quoi. J'ai fait un passage RTB. Il reste un manpad? Non, c'est quoi? MLRS. Ouais, un manpad. Ouais, c'est le nom, le MLRS Border Fight Indice. Et en plus, je les ai cherchés, j'en ai trouvé un. Le deuxième était juste à côté. Oh. Non, c'est le super missile radar. Ou... Ils font toujours des virages bizarres. Ouais, mais surtout, ils voulaient absolument rentrer dans une maison. Donc, ils sont tous rentrés dans une maison. Yes! C'est parce que la maison bougeait, c'est pour ça. Voilà, et après, bon, on a eu plein les boîtes, on s'est barré. Par soustraction en fait de ce qui bouge et ce qui avait bougé, du coup bah, c'est la logique. Mmh. Baited. Donc là on va réarmer mais après on va aller taper bah, ce qui est en haut à gauche de l'écran là. Ok. Ah putain close à chaque fois les 38. Non elles vont être toutes close mais jamais aucune va taper. On avait RTB. Oulala, ça fait mal ça. Ça fait mal. Vous savez quoi? Vous avez vu ces GBU? Bah en fait, au lieu de lancer mes armes, j'ai lancé des GBU. Mais après, là, on va te venger là. Mmh. Je me doute bien que vous m'avez vengé. J'en ai eu que 2 SA-15, mais finalement, je me suis dit, bon, bah, j'avais à moitié réussi. Donc là on les voit, on est un peu loin, on ne va pas arriver trop près trop vite. Donc là je pense que c'est un SA-15. Mmh. Ouais c'était un SA-15. Et là l'autre. Ça va du coup se
crois que c'était dans SA-15, il y en avait un là et l'autre il était juste là. Non, il y en avait deux. Ouais, j'ai chargé en groupe de défense. Je me suis dit, vas-y, ça fera du sport. Il y en avait 5 des SA-15 alors ? Ouais, il y en avait 5. T'en avais 2 par zone en fait. Donc là, t'en as 2 au centre de l'écran, t'en as 2 autres un petit peu plus haut en haut à droite, 2 autres encore à droite. En gros, là, sur ton écran, t'en as 4. 4. Je crois qu'on venait de faire les deux là. Ouais, il y en avait 6. Ouais, okay. C'était là qu'on venait de taper. Ah là, tu peux zoomer sur nous et regarder ce qu'on fait. C'est assez stylé. Ouais, il faut que tu fasses une vue. Fais la vue de l'avion là. Ouais. Oh, c'est tellement proche du sol. Ou oh, alors c'est l'échelle qui est totalement pourrie. Oui, c'est l'échelle qui est totalement pourrie. Non, on est proche du sol. Hein. Non, mais l'échelle était pourrie. Vous avez pas vu la taille des unités. Ouais, peut-être. Ouais. Mais on était à 20 pieds aussi. Ouais. Ah oui. Ah, on s'est fait tirer dessus par. Non, c'est les douilles du canon. Les douilles, tu vois. Ok. Ouais. Ouais, ça a touché celui-là. Okay. J'ai tenté de tirer à côté. Ouais. Parce que là, c'est pas des blindés, c'est des smerchs. C'est des. Ouais, des smerchs. Ouais, tu peux remettre un peu plus vite si tu veux. Tout vide. Ah oui, non. Quand ça s'aligne, ouais. Tout s'aligne. Oh ouais, mais j'ai pas fait le dernier. Ouais. Ah là là. Dommage. Mais il fumait. Oh, le nul. Ouais. Hop, il fait sa petite bouclette. Après, je sais plus si je le finis. Et vu qu'il arrive un peu vite, j'arrive pas à reviser les autres. Mais voilà. Ah, on était à 129. Une balle. Mais il gueule, mais quoi, t'arrives pas à les tirer? Ouais, bah c'est bon, putain. Ah, le positionnement est parfait, il faut le dire. Oui, c'est toujours ouais, midi pile. Enfin, après, ça. Vas-y. Ouais. Ah, je le touche quand même un peu sur le côté, là. Non, mais voilà, bon, après, tu peux. Il n'y en a plus qu'un, donc on va le faire. Oh, attends, ça va faire. Oh, ça fait une belle étoile. C'était voulu. C'était voulu, oui. Pas du tout, tu sais. C'est un gros coup de bol de les avoir à midi à chaque fois en plus. Mais en fait, ils ont fait une libellule. Ça, une libellule. Exactement. Ma libellule. Voilà. Et après, on va faire. Il y a une autre zone là qu'on avait traitée au début depuis la colline. Et puis, je pense qu'on va la finir. Les fameux chars de Nitrox. Voilà, qui tournent. Exactement. Putain. Pendant ce temps-là, Nitrox, il était en bas alors et il tirait nous, des. Ouais, et nous, le faisait good splash. Ah mon dieu, putain, mais j'avais bien plus d'unités ici. Ça, c'est une sacrée coïncidence quand même. Ça, c'est vraiment une sacrée coïncidence. Là, on se fait attaquer par un char. En fait, il est endommagé, on veut le finir au canon et on voit que ça marche pas bien. Donc, bon, pour finir. Goodbye. Change d'avis, allez, hop. Et puis on va lui mettre un petit missile dans la. Ah non, plusieurs, oui, parce que on a un peu galéré, mais bref. Et c'est là que j'ai un Nitrox. Ah, c'est bon, j'en ai trouvé un qui est un peu amoché. Je te dis où il est. Le temps que j'ai dit, il a explosé. Ouais, là, en fait, il restait quoi du coup en unité hein, en rouge? Il reste que les. Ouais, il reste un. Ah, il en reste un, il y en a que j'ai pas vu l'autre. Il reste 4 Iglas et. Ouais, on va en tuer 2 là. Ouais, à mon avis, il en reste plus beaucoup tout à la fin, ouais. Puis il va te rester 2 Iglas, quoi. Et un Ural. Après, attends, parce que. Ah, et d'un. Bon, joli. Balise qui les a tous potés. Hein. Ah, et deux. Après, j'en ai un de Winchester après. En plus, j'avais bien fait ma petite pute, je les avais un peu planqués sous les arbres. Ouais, ben. Okay. Encore ces deux-là, je sais pas s'ils ont bougé parce qu'il y a eu des tirs, mais ils étaient en plein milieu de la pampa. Mais les autres, il y a que certains, je les voyais vite fait entre les arbres, des fois sinon, t'es mort. Alors là, strike. C'est quoi là, vous êtes split en 3, c'est ça? 3 groupes? Enfin, en... Non, c'est. Target of Opportunity. Parce ouais. Qu'on l'a vu, il s'est fait intercepter, je crois. Larry. Ah non, Larry il avait déjà jeté. Attends, on a pas vu Larry jeter. Non. Si? Non, je crois pas. Non, c'est après que je jette. Oh, attends, ça va tellement dans tous les sens que je. Ah oui, là, c'est bon. Il est où? Il est reparti. Moi je monitor trop loin à chaque fois. Ah, celui-là, ça a eu quoi ça? Ça a eu un smerch. Papa. Ouais, j'ai tout envoyé. Plein,
Putain, nettoyer. Dommage, vraiment dommage pour lui, quoi. Ouais. Ça aurait été clean d'un coup. Je l'ai pas vu, j'ai cherché partout. En même temps, il est tout petit. De là, on tape à, juste à côté. Ça a touché, ouais. Mais je sais pas ce que ça a été. Ça a pas détruit. Non, ça a pas détruit. Je les ai vu taper. Ouais. Alors après, on avait eu. Ah, c'est Nitrox, ok. Ouais, il est. Il est éjecté. Il a quitté en vol, ouais. Volé. Après, on a eu la chance que c'était assez dégagé quand même. Bon, on était plutôt tranquille, quoi. Météo ou Sam? Les deux. Ah, mais... ouais, météo, bah, tu... météo, c'était quand même un peu plus compliqué, quoi. Nous, ça allait sur la zone, on a été embêté sur la fin avec les nuages. Je crois qu'il y avait encore énormément. Là, c'était clean. Il y avait moins de... j'ai pas eu. Ouais, après, ouais, il y avait quelques morceaux de nuages qui cassaient les couilles, mais... Donc tu peux aller vite sur les passages de GBU, tu vois. Il y a rien de dingue. Un tank. Ouais, les lasers, ils tapaient bien, moi. Ouais, voilà. C'est les GPS qui tapaient mal, alors. Ouais, les GPS, ils ont tapé, genre, 5 mètres à côté. Ah bah, bienvenue au club, moi aussi. Et il y avait pas de vent, en fait, en dessous, donc... Et même TomTom confirme qu'il y avait pas de vent, donc c'est... Je sais pas, je crois qu'il y a un problème avec les JDAM. Ouais, on va tester sur un 18 ou sur un AE pour voir si c'est la même chose. Si c'est vraiment le JDAM qui merde ou si c'est par. Bah, moi, c'est quoi, c'est GBU 38 ? Ouais. Ah, bah, t'avais lancé ça. Oui, t'as lancé que ça, je peux être. Ouais. Moi, c'était les planantes. Mais faut passer sur Ari, hein, les gars. Non, faut passer sur F15. Il n'y a pas les 38 sur le 15. Bientôt. Ouh là là, bientôt. Un jour peut-être. Là j'ai eu à quoi un SA-15, ouais, c'est le 38. Et Balissé fait le deuxième. Ouais, le deuxième, ouais. Là c'était clean. Et ouais, du coup on essaie de te contacter. Ouais, bah, je vu que t'avais pas de réponse. Ouais, en fait on voulait te les laisser et puis t'avais pas de réponse. On a fait bah, en fait, mais en fait j'ai vu qu'ils étaient morts, du coup je suis passé directement sur le deuxième point là. Je me suis pas emmerdé. J'ai bien vu que vous aviez de toute façon clear. J'entendais certaines coms. Il commence à avoir la rafale en bas. Et le drame. En tout cas, ça touche, mais attends, on va se remettre quand même sur le... Mais attends, dézoome et regarde les impacts avec les T-Rex. Ouais. Ah mais c'est oui, ça concorde, c'est sûr et certain. Ouais, ça concorde à quelques... Bon, au début, on voyait pas, enfin, je sais plus ce qu'on faisait. C'est quand il a commencé à rejoindre, voilà. Voilà. Là, on disait, écoute, c'est bien, les trucs continuent. Allez, ma fille, tu les avoines là. Tu vas aller. Putain, ça fume, vas-y, continue. Ouais, je suis sûr. Ça n'a dit ça, j'ai envie de vous dire. Ça a réputation de ça. Hein. Généralement, c'est plus des British que des Russes, mais bon, ok. Nous, en l'air, on était en train de dire, on espère qu'on lui vole pas les trophées en plus, tu vois. Ah ouais, nous, c'est pareil, on nous restait deux jeux BU, on voulait pas les claquer pour lui laisser, tu vois. Ah bah ouais, vous avez bien nettoyé la zone. Ouais, il reste deux Zigla et... Ouais, il reste deux Zigla, mais mort au combat, t'inquiète. Trois ? Ouais, après, c'est les forces spéciales. Les forces élites sont... Les forces élites sont... Pour trois Zigla, ça va aller, quoi. Ok, allez, c'est parti pour la cape. La cape, il y a du boulot, ça ? Ouais. Ouais, bah en fait, si tu veux, dès que tu rentres dans une certaine zone... en fonction du nombre de personnes qui est dans la zone, ça va te spawn un groupe, un ou une quantité groupes. Adaptée, quoi. C'est ça, en fait. Au début, comme il y a une peur de les voir, ils décollent, ils sont détruits. Ouais, ça m'a fait... Double engagement en même temps. Là, il y a eu un petit dual track, paf, paf,
parachute. Dans le même. Et non, mais en fait, il sait toujours pas switch de target. En fait, il lock les deux, mais il sait pas switch de target. Et moi, messieurs, je vous laisse. Merci beaucoup. Allez, pour l'émission. C'était super cool, comme d'habitude. Ciao, bonne nuit. Ouais. Moi, pareil, je vais aller faire dodo. Merci, super sympa. Ciao. 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 À plus. À plus. Voilà, il y a eu rejointe. Ouais. Vous avez, en fait, vous avez, non, vous avez changé tout, on a changé en fait. De c'est, c'est au lieu de, on a échangé nos femmes, c'est on a échangé nos fronts. Ouais, ça, oh, attends, ça tombe sec, là. Ça a été réussi, ça. De... Vas-y, avec la barre. Ouais, là, c'était... Ouais, c'est parfait. Sauf que dommage que la deuxième cible que t'as visée, elle était cold, sauf que ça le bouffe quand même. Parfait. Nice. Dual target parfait, donc... Ah ben... Ça en a fait quand même pas mal pour deux long cap quand même là. Ouais. Ouais, trop cool. Ouais, j'avais pas de Fox 2, j'ai fait ouah, au Fox 3. Commit, regarde. Ah, je l'avais touché quand même. Ouais, tu ouais. Ah, t'as allé chercher au canon celui-là. Bah ouais, j'avais pas de Fox 2. En fait, là, je l'ai touché. Bien. Et du coup, bah, en fait, on était en train de tourner. Il me dit, c'est toi qui as 27 000. J'ai dit, non, moi, je suis en dogfight. Il fait, ah oh, bah, je vais le prendre. Mais va falloir que je revoie là, les règles d'engagement des rouges, parce que c'est vraiment, tu vois, il aurait dû attaquer, je pense, et il a pas fait. Piège à l'interception, bam, il a failli se prendre un... Tommy a failli se prendre un coup, mais bon. Ouais. Casse tes premières TB. Est-ce qu'il est passé comme... Oui, comme dingue. Il nous a frôlé, ouais. Déjà, il a emmerdé les T-Rex, du coup, je lui ai dit, fais pas une tonton. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait une tonton. Ouais. Bref. Et après, il fait, ouais, est-ce que je peux emmerder du coup la strike? Et je fais, oui, là, eux, ils ont l'habitude. La phrase d'Exxon, c'était, on n'a pas tripack. Qu'est-ce qu'il aura sorti? Non, ouais. J'aurais dit, on n'a pas tripack et on n'a pas besoin de tripack. Ouais, il est vraiment parti. Il est parti emmerder le SADIS juste pour se faire les mecs, quoi. Ouais. Là t'étais un peu en détresse, mais tu t'es démerdé, tu m'as cassé les couilles pour rien. Mais attends, moi sur mon radar je vois 5 plots, j'ai chaud quand même. Je te dis, il en restait qu'un seul, mais j'ai tiré mes 4 missiles. Hein. Ouais. Et là, celui-là, il s'est planté tout seul. Ah, c'est pour ça qu'on l'a perdu. Il s'est planté tout seul. Ok. Ah ouais, finalement... Ça me saoule parce que j'ai fait un peu des bêtises, mais bon, c'était marrant. J'essaie de weasel en même temps des SA-15, alors que les SA-15, ça part au dernier moment. Je le savais, je suis habitué à ça, mais j'ai quand même fait. J'en ai comme deux en entrée. Joli. Mais c'est du weasel de côté, quoi. Et j'ai de la chance qu'ils sont apparus assez vite. Le reste, c'était. La tire en salve défense? Non, c'était un. Je l'ai dévoyé sur le HAD. D'accord. Mais il fallait qu'il me lock, quoi. Ouais. La défense aussi, c'est pareil. Pas de salve défense sur le 16. Oh putain, ça a touché les missiles. Ça s'est fait intercepter. C'est le défense. Là j'avais Jidam, mais bon, du coup. C'était parfait, hein. J'avais aligné parfait, mais bon. Il semblait que j'avais soit un problème d'alignement, soit c'est autre chose. Ça, c'est bizarre. Ah, putain, quand même, ouais. Il va taper à côté, hein. Même endroit, parce que je voyais les impacts, les cratères. Ouais. Taper au même endroit, c'est les coordonnées. En fait, les coordonnées étaient fixes. Bon, là, j'ai essayé de faire aux armes, parce que j'avais encore deux armes. Sauf que j'ai oublié de switch sur les armes. Je me suis fait avoir. Et ils ont tapé encore une fois au même endroit que les deux autres. Bon, alors là, c'était full bêtise. J'attendais qu'ils apparaissent, là. Tout long, j'avais le jammer et tout, mais ça rien fait. Ouais, je trouve ça dur à esquiver les SA-15 dès qu'ils ont tiré. Ouais. Si tu pars pas cold, c'est dur. Ah bah, j'étais parti cold direct. Hein. Et là, du coup, ouais, alors... mais
Oui. Il faut quand même le faire instant, je trouve. Ah oui, absolument. Là, j'ai vu 38. J'en ai balancé 2. J'avais un avion frais, je me suis dit, bon, ça va passer. J'avais vu les deux SAM, là. Le SA-8 et le SA-19. Paf, paf, ça a touché, mais rien fait. C'était quand même plus close. Ah, il avait vu la zone de stockage. J'ai engagé déjà ça, parce que de toute façon, j'en étais sûr que les SA-15, c'était mort. Donc j'ai engagé, mais t'as bien fait, hein, c'était... Et après, je crois que j'ai refait un passage. Je crois que ça a pété au même endroit. Paf et paf. Putain, c'est étonnant. Ouais, je vais retester ça plus tard. Enfin, plus tard dans la soirée, là, mais... Je sais pas. Je sais pas c'est quels paramètres qui ont fait ça, ou si juste maintenant la 38 qui est cassée. Bah, la 38, non, parce que sur l'Ari, elle marche très bien. Ça fonctionne, ouais, alors que c'est le même truc. C'est sur ouais. Jeff, c'est un peu différent. Ouais, Jeff, c'est pas de la 38, c'est un nom... Ouais, c'est... C'était de la planante, en plus, là, que j'avais pris. Ok. Mais pour le coup, elles étaient full GPS, elles étaient pas en... Je les avais pas mis en laser. Ouais. Ah, c'est des bombes qui font les deux. Ouais, elles font les deux. Tu choisis, en fait. Tu choisis. Ouais. Si tu lays, elles vont suivre le lays. Ouais, si tu lays pas, elles vont sur les coordonnées. Ouais, parce que sur le arrière, on a les... Enfin, je passe d'autres appareils, on a les 54, là, j'ai bu 54. On les a essayé une fois avec ton tour. Par contre, celle-là, on les avait lancées en GPS et elles étaient moins précises que les 38. On avait eu des couilles dessus. Mm. Bon, je sais pas si c'est un peu le même délire, du coup. Enfin, au port avant, moi, elles tapaient... Ouais, là où tu mettais le code. Ouais. Ma foi. Ok, bah voilà. Il faut regarder, il y a quelque chose à regarder que j'ai manqué. Bah écoute, c'est good pour moi. Good pour moi aussi. Ouais, on a fait le ménage. Je tiens juste à dire aussi, félicitations, top Tom. Ouais, putain, ce que j'allais dire, ça va. La mission s'est passée nickel. Ouais, c'est clair. J'ai peut-être avancé un peu plus. Non, c'est bien, bah, faut le dire. Mais c'est en bonne voie, je suis content. Tu sais quand ça merde, il faut te le dire quand ça se passe bien. C'est tout. Merci beaucoup. Par contre, j'avais toujours ce message de... Enfin, j'entendais la wax. Ah ouais? J'entendais la wax? Ouais, alors Alder, il disait qu'il pouvait le mute. On pouvait le mute apparemment, non? Via le menu. Contrôle Maj N, je crois. Un truc comme ça. Je crois que c'est ça la commande. Okay. Je crois que c'est que le texte, si je dis pas de bêtises. Vous savez le texte qui apparaît en haut à gauche? Ouais. Parce que j'entendais la voix et le texte. Moi, tu vois, je l'avais pas. Et... C'est bizarre. On était sur la même fréquence, mais moi je l'entendais. Et Nitrox aussi, il a dit qu'il entendait moi. À moins que ce soit la fréquence VHF de la box. Possiblement. Faudra que je contrôle ça. Contrôle les fréquences. Après, on était en 124, nous. Ou 123, je sais plus. Non, mais de toute façon, la box, c'est les fréquences. Ouais. J'ai rien dit. De toute façon, je l'ai mis sur 2-4-1 la wax, mais... Non, mais de toute façon, il n'y a qu'une seule fréquence. Il peut pas être sur une VHF, de toute façon. Enfin, il peut être sur une VHF, mais c'est pas le cas, quoi. Enfin, là, c'était pas le cas, parce qu'il ouais, donc, pas. Je sais pas bizarre. Pourquoi on entendait. Ouais, ma foi. Mais pas LDR, mais... Il croit que c'est l'entend jeu. Mais je sais que Tonton, une fois, me l'avait fait mute, alors, tu vois... Ouais, pas. Est-ce que ça garde entre deux missions? Je sais pas. Ok. Bon, après, c'était pas... C'était pas grand chose en vrai. C'était pas grave. Ouais, mais je contrôlerai ça demain. Bon, c'était cool. YouTube, il doit y avoir plein de petites vidéos sur le 15. Ah oui, voilà. Bon, moi, je verrai plus tard. Je pense que ça va être long à tout mind. Ouais. Bah, surtout que. On n'a pas de guide encore pour, quoi. Donc, encore ça va, vous avez un manuel. Ouais. Ouais, ouais, j'ai fait le manuel, j'ai pleuré, j'ai saigné les yeux, j'ai fait. Il vaut ce qu'il vaut, mais bon, c'est déjà mieux que rien, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est pas pratique de fou. Alors déjà pour naviguer dedans, c'est un enfer. Ou pas le check guide. Ouais. Bah check guide, ce qui est bien, c'est que t'as le menu déroulant à gauche, tu sais, avec tous les titres et machin. Là, tu sais qu'il va mettre un bout de temps à sortir. Hein. C'est clair. Oui, parce qu'il est sur un autre avion. Ah ouais? Et sur le Mirage F1? Ah putain! Il vient plein de sortir la page, il y a peu de temps là. Ouais. Donc le F15, ça mettra un peu de temps. Je pense que les vidéos sera pas mal, mais il faut. Ouais. Pas Grim Reaper. Je comprends pas pourquoi
Il recrute pas Kakfetch Chuck Skid parce que le manuel officiel personne ne regarde parce que t'es qu'un Chuck Skid à ce moment là-dessus. Au final, c'est mieux fait ce qu'il fait. Et... Oui, parce que s'il fait un boulot de qualité, il fait pas un boulot de vitesse. Là, Baltic Dragon, donc Baltic Dragon, c'est ceux qui font des campagnes sur DCS, c'est eux qui ont fait le manuel pour le F15. Donc, ouais, bah, ouais, bon, c'est du boulot quand même qui se transfère. Hein. Enfin, quand tu fais des campagnes, bah, du coup, il faut que tu fasses des briefs, la doc, etc. Donc, ils savent faire, attention. Après, c'est une manière de faire de leur façon. Il y en a certains qui s'appelaient, d'autres pas vraiment. Mais oui, du coup, ils ont quand même le truc où il fallait le sortir pour la sortie de l'avion, quoi. Au moins. Ouais. Et, ah, oui, forcément. Est-ce que ça s'est réparti sur la qualité possiblement. Maintenant, le truc, après... c'est que du coup, ED, en fait, les guides de leur avion, ils les actualisent au fur et à mesure. Est-ce que du coup, ça va être le cas pour Baltic Dragon, puisqu'ils doivent bosser sur des campagnes? Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, en vrai, t'as toutes les infos que tu veux, mais je le trouve pas intuitif, en fait. Possible. T'as un sommaire, rien que le sommaire, il te perd, en fait. Pas. C'est une galère, quoi. Banni sur le chat. Tu vois quoi? Ah, il joue l'espèce de jeu qui a été Faceburf faire bannir en 2013, je crois. Ouais. Days from Fallujah. Je crois. Ah, il vient de sortir. Oui, il vient de sortir. Après 8 ans. Ouais, la vache. Déjà, rien que le sommaire, il fait 15 pages. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Bon, allez, les gars, moi je bon, vous laisse là. Ouais. Allez, bye. Merci, Tom Tom. La bonne nuit. Yes, la bonne nuit. Une bonne soirée. Ciao. Ciao. Bye. Il a 10 ans, peut-être 10 ans, banni, je sais plus. Je sais qu'il a 2013. Ah oui, non, 10 ans, t'as raison, oui, 2013, c'est quand il a été. Il y a eu polémique. Ah là là, les petites polémiques. Bah, c'est pas une question de polémique, c'était que c'était trop récent encore. Oui. Et c'est un cas de tout soon. Hop, fermez le fil de ça. Bref, banni. Okay. Je vais vous laisser le live. Ouais, franchement sympa Tactic Aircore pour la coop. Ok, bon, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Je crois que Nitrox... Non, c'est pas Nitrox, c'est un de ses modos qui va essayer. Donc peut-être qu'il va y jouer bientôt au skip. Bon, bref. Oui. Bye. Bye bye.